Et nous revoilà pour une nouvelle nuit d'essais et de réglages. Voici la Titan. Toute l'installation. La lunette télévue installée sur la monture équatoriale. Le ruban à l'avant de la lunette, c'est la résistance chauffante qui permet d'éviter d'avoir de la buée ou de la rosée sur les optiques. Ici à l'arrière, on a le train d'imagerie. Donc l'arrière de la télévue qui a été modifié ici. Le nouveau système de mise au point, le FLI Atlas automatisé. Le diviseur optique SkyMeka. En dessous, on a la petite caméra d'autoguidage qui est ici, de chez Moravian. La tourelle de filtre, où est contenu les filtres clair, rouge, vert, bleu et hydrogène. Et à l'arrière, le gros morceau. Donc la G4 16000 Moravian, avec son capteur de 36 par 36 mm. Qui est en route, les deux caméras sont en route, reliées à l'ordinateur et vont être pilotées d'ici quelques instants avec la mise en route du logiciel Prism 10. Le système informatique de la monture l'Osmandi. Donc sur la Titan, j'ai un Gemini deuxième génération et le câble blanc que l'on voit. Se dirige vers l'ordinateur. Donc c'est le câble réseau Ethernet qui permet de piloter la monture, la caméra, le système de mise au point automatique. Donc j'attends la tombée de la nuit pour pouvoir faire la mise en station avec le viseur polaire qui est ici sur le côté de la L'Osmandi Titan. Et une fois la nuit faite, eh bien, on pourra commencer les essais.